que c'est la team, je parlerai bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec le frérot Seyar. Comme vous savez, depuis le son sur tous les continents, et eh ben je m'empêche plus de vous penser qu'à ça, à faire des sons. J'ai trop envie, j'adore ça, c'est trop kiffant. C'est trop bien. Seyar, il m'a chauffé, il m'a dit viens, fais un son, tout ça. Porte nos couilles, on fait un son. Ce sera pour un défi, on va même le clipper. Ouais, on va le clipper. D'ailleurs, le clip sera sur la chaîne du frérot. Petite modification, alors le clip sera bien sûr disponible ce dimanche à 20h, mais sur ma chaîne YouTube. Tout simplement. Du coup, vous allez voir cette vidéo vendredi et ça sortira dimanche, le clip, ok? Carré. Bon, premièrement, nous allons chercher la prod. Alors, la prod, bien sûr, c'est pas nous qui allons la créer parce qu'on sait pas faire ça, on n'est pas beatmaker. Et puis en plus, enfin, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est chaud. Le son, déjà, attends, on va préciser. On n'est pas du tout dans le son, ok? Non. Donc là, maintenant, on va passer aux écoutes des prods qu'on a sélectionnées et on va prendre du coup la meilleure tous les deux. On va essayer de s'entendre sur la prod, ce qui est très compliqué. Quand vous faites un son à deux, de choisir la prod tous les deux, c'est dire ça allait trop bien. À tous les coups, il y en a un qui va préférer l'une. Et l'autre, l'autre. Ouais, voilà. Alors moi, gros, en premier, tu vas m'insulter ma race. Mais j'ai quand même envie, j'ai envie de faire un son sur ça, gros. Je t'en ai déjà parlé. Sois gentil avec moi, ok? Oublie pas qu'à la base, je suis quand même ton pote. Et moi, je pote ou pas, je dis tout. Attends, laisse-le arriver, attends. Attends, attends, tu parles après la prod. C'est pas une musique de fond, ça? Une musique d'ascenseur? C'est la musique de Toy Story? Ah ouais. Hey, c'est trop marrant. En vrai, elle est lourde, gros. Ouais, c'est marrant, mais... Ok, t'es pas trop fan. Bon, je vois que tu kiffes pas trop. Moi, je te mens pas que celle-là, je vais me la garder pour moi et j'en ferai un son une autre fois. Voilà. Genre en rapport avec Toy Story, mon enfance et mon amour envers... Woody. Il ne savait pas comment s'appelait ce personnage. Insultez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Je te fais écouter la deuxième, je te fais écouter les miennes, après on écoute les tiennes, ok? Deuxième. Voilà ma prod. Je m'appelle Seyar, je fais pipi au lit. Bon, c'est pour ça que mon pull est tout jaune, allô? Alors, t'en penses quoi? Elle est lourde, mais je sais ce que t'as envie de faire, toi. Ouais. Tu m'en avais parlé, ouais. Le monsieur que vous voyez là à votre gauche, il a envie de... C'est limite, bah c'est ton premier son, en fait, toi. J'ai jamais fait voilà, c'est son premier son. Moi, c'est mon, on va dire, troisième. Mais... On va dire, à chaque fois, c'est des sons un peu, genre, qui étaient chantonnés. C'était pas vraiment du rap, ok? Et là, lui, je vois, il arrête pas de m'en parler, il veut vraiment kicker sale. Ah ouais, vraiment, par contre, on ne se prend pas au sérieux là-dedans. Non, on le précise. Je veux pas des professionnels qui disent, ouais, mais là, t'as pas bien pris la rythmique. I'm not a rapper. Bah vas-y, écoute, moi, j'en ai sélectionné que deux, donc à toi. Celle-là, elle est pas mal, mais comme j'ai dit, j'aime pas les boum tata boum ta. Ah, je vois, ça fait un peu musique fun et ça fait ouais. Celle-là, c'était vraiment un coup de cœur. Bon, je sais pas quoi dire parce que j'ai. J'ai pas d'inspi là. Allez, mais... Franchement, elle est kiffante, on va la prendre, je pense. A savoir que nous, de base, enfin surtout moi, j'ai un gros problème d'écriture, j'arrive pas à écrire. Pareil, comme vous savez, sur tous les continents, c'est Kimbo qui m'a écrit. Et après, Baila Baila, c'est surtout mes sœurs aussi qui ont trouvé l'inspiration. Et lui, son premier son. Ah oui, très important à savoir aussi, vu que vraiment, on se prend pas au sérieux, on va nous-mêmes mixer la voix, c'est ça. On va essayer de faire le plus propre possible, mais à mon avis, ça va pas être quelque chose comme, sur tous les continents ou Baila Baila, parce que la dernière fois, j'ai payé vraiment un mec qui a remixé. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose de Cali, ok? C'est carré. T'es engagé. Par contre, on a le corona du coup. Ah ouais, merde. D'ailleurs, tu peux porter ton masque, s'il te plaît? Non, parce que genre, tu me respectes pas trop en fait. On va rapper avec ça. un petit effet étouffé, quoi. Eh, au moins, l'antipop, il est. Ah ouais, antipop de ouf là. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va se mettre dans nos téléphones. Là, on commence à écrire. Et d'abord, les couplets, puis le refrain. On va faire aussi pré-couplet. Soyez très gentils parce que c'est la première fois que je vais kicker vraiment. Parce que vous savez que normalement je chantonne un peu, j'aime bien. Mais là on va essayer un truc nouveau. Dans la vie faut tout essayer, ok? Ne jugez pas les mecs, franchement. Ne jugez pas. Allez c'est parti, écriture. Putain, c'est stressant. Ouais, l'écriture c'est le truc le plus stressant du siècle. Ouah, je suis parti trop loin. On recommence. Bip, attends, ah c'est trop stressant. Eh, je me vois pas du tout. Non, mais t'inquiète. J'ai pas la top line. Je sais pas comment dire. Comment ça? Genre, comment faire, enfin, comment poser sur la prod, quoi? Bah... Et non, mais en gros, frérot, par exemple, je sais pas, genre, t'as ton style. Mais là, mon style, ça va être vraiment d'essayer de rapper un peu vite, genre, tu vois. Tu vois qu'au baladé, lui, il rappe, mais c'est des petites phrases, mais il les prolonge un peu, tu vois. A few moments later. Bon, ça y est, jusqu'à là, j'ai mon truc. Bah, on enregistre, c'est parti, je rigole. T'sais, le mec, j'ai rien, c'est trop. T'as rien là? J'ai failli me cogner. Ouais, c'est tout petit par contre. C'est bon, j'ai plus rien. T'as plus rien là? Ouais. Ok, au revoir, tu pourras la porte, tu dégages. Non, je rigole. Parce que moi, ma thématique, je vous le dis. Parce que moi, ma thématique, c'est. C'est quoi toi? Un peu de tout, genre. Un peu de tout? Ouais. Moi, c'est surtout YouTube. Et après, je pense qu'après, ça sera. Justement, ouais, un peu de tout. Je vais partir un peu dans tous les sens. Okay. Et peut-être parler des meufs aussi, ça peut être intéressant. Là, je pense qu'au pré-refrain, on fera genre. On refera un peu comme le début, genre l'intro. Genre...
Là, ouais, c'est le refrain. Ouais. Du coup, pour le refrain, faut trouver un truc grave stylé. Ça, c'est sûr, ça on va chanter dessus. Ouais. Ça rentre dans la tête. Ouais, chantonner, par contre, on est obligé. Ça serait mieux pour le pré-refrain, gros. Ouais. Ah bah ouais, c'est sûr. Oh bah ouais, c'est sûr. Ah bah ouais, frérot, c'est sûr. Oh bah ouais. Oh bah ouais. Tu fais le montage de la vidéo? Je sais pas. Je rigole. Ouais. Il était sous pression. Quoi, je rigole, t'inquiète. Ah ouais, c'est vrai que c'est toi qui vas devoir faire. La gueule du monteur tout de suite. J'adore faire du montage vidéo. Ça se peut, c'est moi. Hein. Non. Mets ta gueule, suce-moi la queue en. Star, come on. On mettra des trucs comme ça. Oh mec, ça filme plus depuis 40 minutes. C'est pas possible. On n'a pas commencé le tournage à 40 minutes, réfléchis. 22 minutes, 18. Oui, peur. Un jour dans ma vie, on m'a dit que j'étais professionnel de claquettes. Wesh. Vas-y, est-ce que tu veux tester? Ouais, tu veux t'entraîner? Tu veux? Ouais. T'es sûr? Ouais. Bip, il n'est repéré dans mon radar, complètement pété. Ah, c'est trop dur, wesh. Loïc, si tu regardes cette vidéo, commente, j'adore ces lunettes, je les veux. Et je te les donnerai vraiment, parce que c'est tes lunettes. Vous avez toujours pas vu la vidéo de Trampoline Park, allez la voir. Oh non. ouais, je te parle, allô. Bah voilà, tu fais bip, repéré dans mon arbre. Oh, je sais pas, un truc comme ça, gros, je sais pas, après c'est pas mon texte, mais... Mais attends, déjà, faut que je complète mon texte, je sais pas quoi mettre, frère. Gros, la vie en fait, c'est cette phrase... Attends, il y a un truc important, hein. Dans ma bouche, là, j'ai une coquille d'œuf. Sauf que j'ai mangé des œufs hier soir. What? Et je me suis brossé les dents, je tiens à préciser. C'est bizarre, est-ce que c'est intéressant? Cette phrase que je dois non, changer. Non, ils sont... Ouais, c'est pas intéressant. Ouais, c'est okay. Genre, complètement. Comment tu peux passer vite à autre chose? Vas-y, montre-moi. En fait, je sais pas s'il faut que tu fasses juste bip ennemi. Tu fais une petite pause. Ouais. Repéré dans mon radar. Bip ennemi. Repéré dans mon radar. Ouais, c'est chaud. Ou alors, faut que tu fasses juste bip. Repéré dans mon radar. Bip ennemi. Repéré dans mon radar. Complètement pété. Chaud. Ah, faut que tu fasses un truc comme ça. J'ai capté. Eh, ça fait longtemps. Depuis tout à l'heure, on est en train de s'entraîner. Franchement, on est sur la fin là. T'as eu peur? Ah ouais, quand j'ai tapé des mains. Replay sur sa petite tête qui a eu peur. Mec, je transpire toujours comme un lâche. Ça me rend ouf, mec. C'est les hormones quand on fait du sport, beaucoup de musculation. Voilà. Et on vous prend pour un beau gros porc, hein, mais en soi, c'est pas être dégueulasse d'avoir des auréoles. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, quand je faisais de la musculation, du coup, quand tu commences la muscu, c'est obligé, tu mets des shorts très très serrés pour qu'on voit le minimum de muscles que tu as. Apparemment, je fais du S et je mettais du XS, tu vois, pour vraiment qu'on pense que j'ai plus de muscles que ce qu'on pense. Ouais, c'est normal. Sauf que du coup, un mec qui transpire beaucoup, avec un mec qui met des t-shirts serrés et un mec qui met des t-shirts gris, parce que le gris c'est ce qui ressort le plus les muscles. Ouais. Et bah c'était la meilleure combine pour avoir des auréoles, ça a l'air énorme. Voilà. Bref. T'étais stock. Non, je paraissais stock. Des bras comme ça en gros. Toute la journée t'es comme ça. Salut, ça va. D'ailleurs, je suis en train de refaire une transformation, est-ce que je sèche? Non, pas du tout, putain. Je change pas le nom de la chaîne en fait, je crois, les gars. Je peux pas. Non, je peux pas. I love you, Warbody. J'ai l'impression d'être enchaîné sans pouvoir me détacher. Ça passe pas. C'est bon, mec, j'ai tout. Tout. T-O-U-S. Non, je rigole. Il manque environ 6 lignes. Tout à l'heure, tu m'as dit 4. Ouais, mais en fait... T'as reconnu... Non, c'est pour maintenant. C'est trop horrible quand tu rates le drop, gros. T'as reconnu, c'est moi le petit CR, j'arrive comme un clown sur terre. Mais du coup, moi je vais commencer à poser. Lui, il réfléchit encore. Donc voilà, donc on passe sur la troisième partie qui est poser sur l'instru. Let's go. Bon, désolé, du coup, le son ça nettement moins bien parce que ce micro là, on va le garder pour enregistrer, c'est logique, ok? Ah bah tiens, Etienne. Faire des vidéos plus qu'une passion, en une heure j'ai dû écrire ce son. Oh le bâtard, wesh, mais comment tu trouves toute cette inspi là? Pour être honnête en ce moment avec la famille, c'est pas facile, trop de questions en tête. J'ai qu'un but, c'est de réussir sur YouTube pour pouvoir arrêter de chercher un plan B. J'ai raté parce que ces gars en train de me. En plus il est derrière la porte et il fait n'importe quoi. Je suis sûr qu'il écrit un truc d'un texte de CP. Putain, quel. Et ce mec, je suis sûr que dans 3 secondes, il va ouvrir la porte pour me dire qu'est-ce que tu racontes, gros con. Je suis mort. En vrai, mec, ton micro, il est incroyable, gros. Pour être honnête, en ce moment... Je suis parti trop tôt, sa mère. Pour être en dans ma bas... Je bégayais sa mère. Et de chercher un plan B. J'arrive pas à le caler, le plan B, sa mère. Gros, celle-là elle était bonne juste à la fin, m'entend trop respirer. Sinon, carré. Pouvoir enfin arrêter de chercher. Presque. Ah oui, vas-y. Attends, pourquoi on s'entend en retour? Yes. Alors, mec, t'en penses quoi? Sincèrement. Franchement, c'est bien. Hein. Vraiment, t'as ouais. Bien ou pas? C'est ça passe. Tu vois, ça, je te disais le truc pourquoi je faisais mes mots comme ça. Du coup, une note sur 10, sincèrement. Franchement. 4? Non, j'ai... un bon 7,5, 8. Oh, merci.
Franchement, ça passe de ouf. Je suis, franchement, ouais. Mec, je sais même pas. Moi, j'avoue que je suis content parce que tout ce que je dis, c'est vraiment des trucs que genre, je pense réellement. Donc, je kiffe de ouf, tu vois. Ce soir, j'ai jamais autant pété la forme. Pourquoi tu me demandes si j'ai fumé? Ils veulent même plus que je m'amuse. Faire des vidéos plus qu'une passion. En une heure, j'ai dû écrire ce son. Lâche un like et abonne-toi. Un jour, peut-être, j'aurai les 100K. Devant le miroir du reset, trop mignon. Je me vois déjà avec le trophée du million. C'est parfait, tu peux, là. Attends, tu penses que ça, elle ouais, est cool, ça c'est carré. Quoi? Mais mec, gros, j'ai mis 34 minutes, moi. Je suis obligé par contre de mettre, je suis un menteur. Mais mec, t'as mis archi rapide, gros. C'est très Covid, ça. Ce soir, j'ai jamais autant pété la forme. Bon, du coup, là, je suis en train d'enregistrer la fin du couplet. Lui, il a fini son couplet. Et après les bacs, on va essayer de modifier, rendre les voix un peu mieux de ça, faire un genre de mixage, même si ça va pas du tout être un mixage. Soyez très indulgents, parce que on fait ça tout seul avec GarageBand. Qui est un logiciel gratuit sur Mac et qui est très moyen. T'as vu, je suis sorti nulle part, mais ouais, on n'a aucune expérience dans le son, on sait pas mixer, masteriser une voix, la rendre plus clean, quoi. Il y aura des imperfections dans le son, mais voilà, on a kiffé faire ça, c'était lourd, hein. Attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini, terminé. Mais c'est lourd. Un plan B. Ah, oh, bâtard, je m'en regarde pas comme ça, frère, t'as un ouf. Plus jamais, mais jamais. Plus jamais, mais plus jamais, mais plus jamais. Dernier truc, on va faire les bacs. Trop mignon. Du million. Je sais pas. Jamais. Je le fais. Aucun regret. Yata. On part sur les bacs de Anto. Mets ta gueule. Désespéré. Mets ta gueule. J'ai fait même un bruit de clé. T'as pas entendu? Je fais cric cric. Je suis mort. Mec, t'as des clés? Est-ce que t'as des clés sur toi? Dis-moi que t'as des clés. Non. Oh. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc s'il te plaît, trouve-moi cette clé. Putain que le temps passe. Oh, ça fait bien, mec. Viens voir. Ouais, franchement, c'est lourd. Mais un peu plus bas, non? Ou pas? Non, c'est bon. Non, franchement, il laisse comme ça. On pourrait commencer par petit. Mec, heureusement que moi je cherche, parce que sinon là, on serait un peu dans la merde. Voilà, donc là. C'était que la vie était dure, mais je ne voulais pas y croire. En fait, j'explique, pour le pré-refrain, j'ai fait une voix aiguë et plus forte que lui, et lui va faire une voix grave moins forte que moi. Et je pense que ça va bien faire, du coup. Peux-tu en répéter que la vie était dure? C'est dégueulasse. On est d'accord, c'est complètement dégueulasse. Comme je vous l'ai dit, ce son-là a été réalisé en une heure, donc on n'a pas pu faire de retouches dessus. On ne sait pas faire, tout simplement, en plus de ça. Donc il n'y avait pas d'autotune, donc c'était invivable, enfin, écoutez, c'était trop moche, c'est pas beau. Bref, c'est pour ça que du coup, j'ai demandé à ma pote, Isaline. D'ailleurs, je vous laisse dès maintenant aller vous abonner à son compte Instagram, allez vraiment vous abonner à elle, parce qu'elle nous a sauvé la vie pour ce son-là. Du coup, elle nous a prêté sa voix, enfin, elle nous a envoyé, le pré-refrain avec sa voix, qui colle parfaitement bien avec ce que je voulais. Donc c'est carré, je suis content. Donc merci à toi, Isaline, sur cette vidéo, et surtout, allez la follow sur Instagram, s'il vous plaît, la team. Bon. On peut se féliciter, gros, vas-y, check. Bon, du coup, on a chié nos mères. Vraiment, c'était hyper compliqué, parce que c'est vraiment pas notre domaine. Mais en tout cas, le son, là tout de suite on va vous mettre, vous inquiétez pas, un petit extrait, on va pas vous laisser comme ça. Pour deux questions en tête, j'ai qu'un but, c'est de réussir sur YouTube. Ce soir j'ai jamais autant pété la forme. Pourquoi tu me demandes si j'ai fumé Léo? J'ai l'air complètement Léo. Donc là, on est vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, donc dans deux jours, ça va, vous avez deux jours à patienter, ça va, ok? Donc, j'espère que vous allez kiffer le son, j'espère que vous allez kiffer le clip, et puis on vous laisse sur ça, merci à toi, Zéya. Avec plaisir, Zéya. On n'en peut plus, on est fatigué, là, je peux plus parler, je veux plus rien dire. Du coup, très important, allez vous abonner au frérot, qui est le lien dans la description. Je suis là. Bref, n'oubliez pas la team d'ici là, prenez soin de vous. Peace, ok. On va vous laisser tout de suite avec un extrait de ce putain de son. À dimanche, la team, gros bisous. Fais quoi comme transition? Viens, fais une transition où on arrive dans la caméra. Vas-y. 1, 2, 3. Je voudrais voyager sur tous les continents, mais mes parents à la plage, grâce à mes finances. Je perds pas mon temps car j'ai besoin de maille.